Ah ouais, kaké beti. C'est qui a vie du public et bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nassi des Oran. Mate! Allo, Babatia Bango. Et ça maintenant, c'est un grand maître. Un maître mon colo. Un maître à Kala, notre bar. Ça dit un grand maître. Voyez le petit passage, moi, pour qu'on fasse un peu de bâti. Tous en poste au Bouna, à du colo 2, 3, 4 combats au lieu au Bouna. Oh, ça maintenant, moi, on me tient à la fin de bâti. Voilà, ça c'est le combat entre le judoka Alpha de Gueda en ceinture orange et le judoka Moïse de Judo Club Kaouka en ceinture jaune. Et l'arbitre central se mettrait Imongo Itro Di Masofi de Kaouka. Voilà, ça c'est une démorotée de la part de Alpha de Gueda, mais qui ne réussit pas et le judoka Moïse l'a très bien contrôlé. Table. Voilà, ça c'est les néo-anza. Les néo-anza, c'est le combat au sol. Donc le judo ne se termine pas seulement debout. Le combat se poursuit jusque sur le tapis. Donc en japonais, ça s'appelle le néo-anza, le combat au sol. Deuxième combat. Tentative de Kateri de la part de Moïse de Kaouka, mais qui ne réussit pas. Bel enchaînement. Il a tenté un autre Tigari, il a enchaîné directement par un poisson, il ne réussit pas. Tentative de Makikomi. Très motif, très actif le judoka Moïse de Kaouka. Il tente pas mal de choses. Otigari, Soinage, Makikomi. Soinage, voilà, il prend. Très technique. Voilà, je le disais tantôt que le judoka Moïse de Kaouka, très intelligent. Il a montré sa tête. Il est intelligent. Bravo. Très bien. Victoire de Moïse de Kaouka. Acclamé encore une fois, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ça le judo. Le judo commence d'abord par les kumikata. Le kumikata, c'est la saisie. Il faut bien tenir son partenaire ou son adversaire avant d'appliquer une technique quelconque. Voilà. Sanction de part et d'autre. Deuxième judo, deuxième sanction pour le judoka Mehdi de Kaouka. Non, ça va pas.
Ah si, ma veste était pour son zoto. Passez Kobi. Continuez. On prend la salle. Passez Kobi. Victoire délimité a très bien contrôlé son adversaire par terre. Passez Kobi. Voilà, c'est la fin de ce combat. Acclamez, acclamez, mesdames et messieurs. Victoire de Victoire délimité. Voilà. On attend le limité bana. Hugo. Obama. Obama. De Sainte-Marie Goretti, Charles, le fils de maître Charlie Machuda, ancien des Guéda, ancien des Judo Club Kaoka. En kimono blanc, c'est le judoka Kix, c'est l'IBD. Et en kimono belge, c'est le judoka Charles de Sainte-Marie Goretti, le fils de maître Charlie Machuda. Un très bon match Kobi de la part de Kix de l'IBD. Pas simultané, les attaques pas simultanées. Et tu veux. Pendant que les combats se poursuivent, je me rappelle si vous l'avez pensé aux gerbes de fleurs, c'est le moment de vous faire enregistrer. Si vous avez les gerbes de fleurs, oui, on peut combo que tout le monde a fait sa combo. On peut combo qui est inquiété. On peut le paralysé, on peut le boîté. On peut combo maman beauté là. On peut sa combo pas mettre. Il y a une été, il y a Kaouka. Il y a une rôle Kaouka. Tellement. Tellement, il y a quelque chose. Bon, ça va, non. Yo. Maître, une minute, minute, maître. Maître, je suis habillé, on va nous rendre. Bon, 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 belle technique, Araï Makikomi de la part de Kix de Limité. Voilà, ça c'est le dernier combat entre Bami Balais Silmètre, Émeraude de Kaouka, Inch'Allah, Émeraude de Limité et Dieu de Kaouka. Yo, Beno Simbat! Bon, contacté! Au moins, il y a salé au lundi! Au moins, il y a salé au lundi! Émeraude! Jido, de Maboko! Wazari, très bien, Kangai. Eh, il faut évoluer au sol, pardon. Faut évoluer. Hein? Yaye, ya. Dégage, Jos. Tu quel sort est badé? C'est déjà un nippon. Grâce à contre ma banque. Grâce à ma banque. Également le président Mick Moulamba de l'Égypte Kino 4.
En ceinture orange, c'est le judoka Gracia de Ginori. Et en ceinture blanche, c'est le judoka Mabanga, le judoka de Kaoka. Tentative de saut, il est écouté. Tout est arrivé de la part de Maître Mabanga de Kaoka. Il a tenté la raille gauche. Grâce à des Ginori, mais qui ne réussit pas. On fait commis. Peut-être pas. Maître Mabanga est en train de tenter le renversement. Et seul mec qui ne réussit pas. Tentative de moroté de la part de Gracia de Ginori. Il est sanctionné. Il n'a pas bien appliqué cette technique. Gracia est sanctionné. Le judo club Kaoka, ceinture noire, quatrième dan. Voilà, tentative de Ojigari, Ojigari, au courrier chez pareil, c'est ça sa spécialité. Maître Hydro Massofi. Le retour de la part de Hydro Massofi. Maître Hydro Massofi, il est très expérimenté. Il a beaucoup combattu dans sa carrière. Victoire de Maître Hydro Massofi, un très bon retour. Maître Papi, pourquoi ça? Maître intelligent, maître intellectuel, pas technique. Ça fait une comédie ici, avec soulèvement de deux jambes. Bon, tourne. Thank you.
Voilà, place maintenant à l'entraînement d'ensemble sur les tapis. Voilà, c'est l'heure de... Maintenant, c'est l'heure de l'entraînement d'ensemble dirigé par Maître José Boyolo. C'est le moment de vous faire enregistrer ici. Mesdames et messieurs, comprenez, en s'asseoir comme ça, quand un judoka meurt, il y a toujours des cérémonies liées à l'art ou à la discipline. Et par équipe au sein de son club Keda. Et c'est pour cela, quand un judoka est parti, il y a toujours des cérémonies comme ça qui se passent. Et après cette étape d'entraînement, il y aura quelques exhibitions de kata. Et on va passer à la lecture du témoignage d'abord. Il y aura le témoignage d'un membre de la famille biologique de notre pays et le témoignage d'un membre de la famille sportive. Et après cela, il y aura la lecture de sa biographie. Et puis, pendant que le témoignage continue à venir ici,
On va les condamner. Ça se passe comme ça. Si tu étais avocat, si tu étais, c'est sur moi, posé un coup de à Youtiam de la Ligue des Judo de Kinshasa. Le maître Kititi Yamashita vient de nous rejoindre ensemble avec le président Aïké Tshisekedi, un ancien aussi de Gueda, le président de l'appel Jubilé d'Or. Chutez rapidement, chutez, nous courons derrière le temps. Il y a plusieurs étapes à élaborer ici. Côté idée, c'est-à-dire côté gauche. Il a dit ça. Tu veux? Tu veux? À vous de la Katia. Maître Alpha, au Bengami, on va pas mettre Charlie. Tu veux? Essaye, poussion. Maître Alpha, au Bengami, on va pas mettre Charlie. Il y a une urgence. Voilà. Maître Itari, Maître Gebido. Maître Ido Massofi, Maître Sada Yajido Mawana Morgue, Maître Charlie Matuda, Maître Didier. Très bien. Maître Mapanga. Bien, Maître Kipoti. Yajido Kassolo Mawiyubana. Voilà maintenant, ça c'est l'étape de Tonde Kourentchou. Tonde Kourentchou, le mouvement dans le vide. Fais comme si tu as un partenaire devant toi. Mais tu es seul. Tonde Kourentchou. Le mouvement dans le vide, le mouvement dans l'espace. Thank you.
Excellences gouverneur de la ville province de Kinshasa, excellences députés et sénateurs, excellences bourgmestre de la commune de Kalamu, excellences président de la Fédération nationale congolaise de judo, monsieur le président de la Ligue des judo de Kinshasa ici présent, cher président des ententes urbaines de judo de Kinshasa, chers dirigeants sportifs, chères familles du judo en général, membres de la famille de l'illustre disparu, tous à vos titres et qualités respectifs. Il est de notre devoir, en pareille circonstance, de prononcer ce discours funéraire en vue de rendre le dernier hommage à cet illustre personnage. C'est depuis le jeudi 14 septembre 2014 que le monde sportif congolais en général et l'association sportive Judo Club Gueda en particulier a eu la triste nouvelle de la disparition inopinée de son vaillant soldat, guerrier victorieux et de son compétiteur de haute facture. Nous citons Maître Koi Koi Sianama Kéry, connu effectivement sous le nom de Maître Koi Koi Gramouyaka Nyama Etouba. Nous envisageons pas la mort comme
des gens sans espérance et pour lesquels Dieu, Jésus-Christ, le ciel, l'enfer sont des utopies. Si Dieu, la mort est de Dieu, ceux-là ne peuvent rien dire. Nous nous disons que la mort est la vie, la mort est la visée ultime à laquelle nous tendons tous. C'est notre voie d'accès au royaume éternel si nous nous sommes bien comportés sur terre. Mais pourquoi dis-je me plaindre? La mort n'est-elle pas la sœur de la vie? Y a-t-il des vies sans la mort? La mort est l'allié incapable de la vie. Comment devoir l'évacuer? Et j'aime dire que la mort n'arrête rien. La mort ne tue rien. Au contraire, elle incite à la vie originelle, à la vie divine. Qui est l'illustre personnage que nous plairons aujourd'hui? Koi Koi Siana Makeri est né à Kinshasa le 21 mai 1965, natif de Kauka, fils de Koi Koi et de Manswana, originaire de la province de Kwilu. Il a laissé deux filles, Fanny Mangwangwa et Noëlla Mangwangwa. Études faites, il a fait ses études primaires au collège Saint-Jean-Berkimans, connu sous le nom de Belekete, de 1972 à 1978 à Kinshasa. Il a fait ses études secondaires à l'Athénée de Ngiringiri de 1978 à 1984, à Kinshasa toujours. Diplômé d'État des humanités sociales. Et après, Maître Koi Koi a effectué plusieurs formations de renforcement des capacités. Carrière sportive, amoureux de l'art, de la souplesse dans le judo, il fit son entrée au judo club Gueda dans l'enceinte du complexe sportif de la Funa, respectivement en 1977, sous l'encadrement de ses grands maîtres et de ses aînés, Maître Ajax, Maître Kitoko, là où Maître Ifabok ici présent, Maître Fouakampoutou, Castino, Maître Elonga, Maître Voza ici présent également, Maître Willy Wabeya, Maître Titi Lotoulou, Maître Abibo, Maître Riff, Maître Rombo, Samouzou, Maître Sakamoto, Likanja, Granja pour ne citer que cela. À côté de ses coéquipiers et compagnons de lutte également, Maître Bijou, Maître Doxy Bokamba, Maître Fabien Samouzou, Maître Mouzoumbou, Bikou, Maître Lengiris, Maître Germain Star Nyama, Maître Georges Likanja et les autres. Il a obtenu le grade de ceinture noire premier dan en 1984 à Kinshasa. Le grade de ceinture noire deuxième dan en 1987, toujours à Kinshasa. Et un compétiteur très engagé avec son arme et son tokiwaza efficace, Ushimata. Il amène le judo club Gueda au panthéon des grands clubs du Zaïre à l'époque et de l'Afrique tout entière. Plusieurs fois champion de Kinshasa et du Zaïre à titre individuel. Dans sa casquette de formateur, dès son retour au pays, tout en étant malade, il venait encadrer les judokas de son club chéri, Judo Club Gueda. Nous ne pouvons pas clôturer ces discours solennels sans pour autant remercier les autorités politico-administratives, la Fédération Nationale Congolaise de Judo, la famille judo de Kinshasa et de la diaspora pour leur implication solennelle aux obsèques de ces vaillants soldats. À vous, Maître Koi, Gramouyaka, Nyamane Tumba, nous retenons de vous un judoka complet, un excellent technicien, un encadré compétent, un enseignant du code moral du judo. Je le résume par le courage, l'honnêteté, le respect de l'autre, la persévérance, etc. Bref, toutes les valeurs sportives de ces nobles arts. Maître Koi Koi Gramouyaka, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Pourquoi pas dans nos mémoires? Te voilà parti, que ton âme repose en paix. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Fédération nationale congolaise des judo, que vive le judo club Gueda. J'ai dit, je vous remercie. On passe à le chargé de la commission ad hoc de la FENACOJU, la Fédération nationale congolaise des judo. Très bien vêtu. Voilà. Donc, on va passer. Voilà. Au nom
la Fédération nationale congolaise de judo, représenté ici par son président de la Ligue de judo de Kinshasa, une province de Kinshasa, ainsi que moi-même de la commission agricole. Maître Koy, il était le nôtre, mais aujourd'hui, il n'est plus le nôtre, mais dans notre temps, suite à sa façon de combattre, il a été un grand compétiteur. Il a fait ce qu'il a fait pour la fédération. Il a quand même allé plus loin. C'est ainsi que ce n'est pas le moment de discourir, mais je tiens avec l'autorisation de la fédération pour lui décerner, parce que, s'il vous plaît, il a été ceinture noire deuxième dame. Mais pour aujourd'hui, nous le décernons la ceinture noire troisième dame à titre sportif. Alors j'informe le club que son diplôme sera donné au mois de décembre. Au mois de novembre, parce qu'il y a une passage de ceinture, alors on va essayer de faire pour lui son diplôme qu'on va remettre à sa famille. Voilà, c'est ce titre, donc je vous remercie pour votre attention et je dis à vous remercie. Merci. Le message de maître Bakassa, le responsable et le chargé de la commission interne de la pénatologie. Voilà, voilà sur le cap culturellement à titre de la cible. Maître Je descends, Pas de troisième dame. Autant que président. Champion! Champion! Champion!
Les enfants de Massé Kourou Kourou, Fanny et Mama. Merci. Nzambe ya pesa ki papa pa su papa. Tanyo se te koumi si ka Nzambe to lo banin, yeme mta permet ango. Yami balé na pesi. Ba papa nyo se ejido club Geda. Merci na o bo sali po na biso. Naza reconnaissant et pa ya papa Voza, pe maître José, papa Titi, papa César. Na pesi bino nyo so merci. Papa Gemé de Namoussala Bossali, merci beaucoup. Que la mort, c'est le chemin de tout le monde.
les hommes que nous sommes. Tout être humain est appelé à conjuguer trois verbes en action. Verbe naître, vivre et enfin mourir. Donc au nom de la famille Koïkoï, nous vous disons encore une fois merci parce que on reconnaît les bons amis pendant le malheur. Aujourd'hui c'est le tour de la famille Koïkoï. Demain ou après-demain, ça peut être le tour de votre famille. Nous serons toujours là pour vous accompagner. Comme on a fait aujourd'hui, nous étions ici pour accompagner dignement notre maître, notre frère, votre papa, votre fils qui nous a quittés. Il nous a tout simplement précédés dans l'au-delà parce que notre tour aussi viendra. Merci beaucoup de votre présence. On est là, on va accompagner maître Koïkoï dans sa dernière demeure. Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Nas, des